C'était dans le quartier, quand on n'avait rien à faire, on écrivait. On commençait avec des freestyles. Aussi. On faisait des freestyles. Vas-y, bois, tranquille. Ouais, ouais. Ah, maintenant, je bois. Je peux boire dans l'interview. Ouais, c'est ça, j'étais tranquille. Mais non. Et comment t'es passé des freestyles dans le quartier au studio d'enregistrement? C'était qui m'avait déjà montré mon studio? C'était Prime. C'est un rappeur. Il y a des vidéos en ligne et tout. Ça, t'as lu. C'est Prime qui m'a amené au studio plutôt. C'était un studio à Verdun, je pense, Verdun. J'avais enregistré un son qui s'appelle Hypocrisie. Moi, je l'ai posté. Puis là, j'ai enlevé là parce que c'est un peu la honte là. La vérité fait mal, mais l'hypocrisie, elle tue. Mais je l'écoute, c'est posé là. En tout cas, comparé à ce que plein de rappeurs font aujourd'hui, c'était quand même bon. Dans ce temps-là, je rappais encore sans autotune. Il s'appelait Hypocrisie, juste comme ça. Je parlais même pas d'hypocrisie, je pense. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. J'ai plus d'ennemis, très peu d'amis. Je dépense sur personne, même avec mon ombre, je suis en conflit. Même avec mon ombre, je suis en conflit. Ça veut dire que je suis en conflit avec tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Je suis en conflit avec les humains. Elle vient d'où cette colère? Elle vient d'où? Elle vient de mon cerveau. Ben, quand j'étais en prison, là, c'est bien ça. J'ai eu du soutien de la plupart de mes proches. C'est juste que j'ai vu que, après ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont essayé de m'aider, alors que dehors, ça sourit, ça me traque, ça me tec, ça me dit si, viens, on se voit, rends-moi un service, fais ça pour moi, fais ci, fais ça, mais c'est pas du monde proche à moi, là, tu comprends? À la fin de la journée, quand t'es en prison, ça écrit fuis, mais l'argent, ils t'envoient pas pour la cantine. Je suis leur ami juste quand ça leur tente. Donc du coup, le morceau Hypocrisie était prémonitoire. Exactement, prémonitoire. Je me sens tout seul dans ce monde, ma haine est profonde. Ils disent qu'il faut sourire comme la Joconde, mais le sourire de la Joconde est faux. J'aimerais que mes ennemis viennent à ma tente pour se rappeler qu'ils vont bientôt me rejoindre là-haut. Pourquoi je serais moins colère? Oh non, c'est pas vrai ça. Ça permet de rien évacuer. C'est les gestes concrets qui permettent d'évacuer. Pour moi, ça, non. J'évacue pas de cette manière. J'évacue pas de cette manière. T'auras que des coups de feu, je vais te faire brûler des feux, je vais te faire habiter les cieux. Là-bas tu te sentiras mieux, police sur les lieux. Mon frère prendra une sentence, mon père a foutu le camp, ma mère aux urgences, et moi je rêve aux millions. C'était aussi dur parce que ce beat-là il y avait chill 1 million, mais c'était mon début, tu comprends? Sur là j'étais comme shit, est-ce que je vais être capable de le refaire? Est-ce que je vais être capable de le refaire? C'est ça le but, tu comprends? Quand tu fais 1 million de vues, là tu passes à la prochaine étape, il faut être capable de le refaire. Moi j'ai juste compris que quand tu fais de la musique, faut pas avoir peur de déposer du contenu. Il y en a un qui va te dire oh, ton beat est, par exemple il est pas trop bon, puis mais les gens ils savent pas, mais c'est comme si ça tourne dans ta tête là, ça tourne dans ta tête. Faut pas aussi beaucoup demander l'avis des gens. Tu fais juste ton truc puis fuck it. Là j'ai commencé à faire du drill là, mais je fais pas juste de la drill là. Puis moi honnêtement je me considère même pas comme quelqu'un qui fait de la drill, puis je considère même pas que les musiques que j'ai fait c'est de la drill. Genre. Je sais, le monde il dit c'est de la drill juste à cause de l'instru, mais pour moi c'est pas de la drill. Là. Pour moi c'est du rap tout simplement. Dans la cour des grands depuis que je suis petit, jamais été aventurier, mais j'ai quand même dû faire un peu de bruit pour avoir l'aspect garanti. Ouais, ou d'une manière j'avais peut-être, parce que là je commence à mettre un peu sous sérieux. Mais moi j'ai trouvé que le chèque, je déteste ça. T'as pas encore connu tes chèques en fait dans le niveau musique. Justement, c'est pour ça que j'ai peur. Ça peut venir n'importe quand. Moi je les décline, je déteste ça là, tu comprends? Les policiers ils surveillent beaucoup mon travail. Je sais pas, on dirait qu'ils aiment mes musiques. Toutes mes musiques, ils écoutent. Moi, je suis connu des services policiers de Montréal avant le rap. Je me rappelle, je pense que j'étais parti à Toronto. J'avais 16 ans. Puis je venais de drop Hypocrisie. Puis là, je devais aller à la cour aussi. Je suis pas allé. Là, je suis tombé sur mon mandat. Là, ils sont allés chez moi. Puis j'étais pas là aussi. Puis mes parents disent, je savais pas, j'étais où. Ils m'ont mis aussi de disparition. Puis avant de partir, ils leur ont montré Hypocrisie. Juste pour me faire chier. Pourtant, j'ai jamais dit nique la police dans mes musiques. J'ai jamais dit rien de tout ça, là. Pourquoi ils m'en veulent? Puis m'enlever.
Main event, ils sont juste venus, ils ont fait rêve. Ils veulent pas que je performe. Ils veulent juste me freiner là, ils essaient de me faire ce qu'ils ont fait à Anima. Ils veulent montrer qu'ils sont là, tu comprends. Un promoteur, puis ils arrivent à le faire fermer son show parce qu'ils veulent pas que je performe. Les policiers là, leur but c'est pas de nous aider là à réussir, puis à sortir de la rue. Leur but c'est d'arrêter des criminels puis de faire chier les criminels. Juste avec coup de pression, ils ont réussi à m'enlever du show. Je trouve pas que c'est comme ça que c'est supposé se passer là, c'est plus... Pourquoi t'annules le show? Mais ce qu'ils aiment pas, c'est que c'est le fait qu'on soit connu, tu comprends? Que je le veux ou que je le veux pas, j'influence les gens. J'ai une communauté, puis je les influence. Puis j'influence même les gens qui sont pas de ma communauté. C'est-à-dire que le message en ce moment, qu'ils disent, eux, ils doivent penser que je lance, c'est être recherché, c'est rien. Fuck la police, whatever. C'est tout ça qu'ils doivent penser, là. Moi, je veux juste faire ma musique. Moi, c'est... Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, ils voulaient pas me donner de caution. Ça veut dire si je me rends, je dois rester en prison jusqu'à la fin des procédures. C'est juste pour ça que je me suis pas rendu là. Parce que je pouvais pas rentrer, j'ai encore plein de choses à régler dans la rue avant que je rentre et puis je sois comme ça. Faut faire de l'argent, tu peux pas rentrer en prison puis t'es pauvre là. C'est la pire affaire, rentrer en prison puis t'es pauvre. De un, parce que tu dois dépendre des gens. Nécessairement, tu dois dépendre de quelqu'un là, quelqu'un qui va faire tes commissions et tout. Mais tu vas dépendre beaucoup parce que si t'as pas d'argent, comment tu vas manger, comment tu vas survivre, comment tu vas fumer. D'ailleurs, que j'aime pas cette photo-là, je l'aime vraiment pas. Ils l'ont prise d'où ? Poste de police, dernière fois que je me suis fait arrêter. Et c'est eux qui viennent m'arrêter à chaque fois. Vive la justice. Depuis mes 8 pieds, je galope dans la rue. On n'abandonnera jamais le navire. Moi, je suis resté vrai depuis le début. Ils ont réussi à me trahir. Si j'avais quelque chose à retenir dans la rue, elle est fausse. Elle permet de rêver, mais elle ferme ton rêve. C'était quoi ton rêve ? Mon rêve ? Ouais. Comme tout le monde, devenir riche. Mon rêve, à la fin, mon rêve qui est au top, c'est devenir riche. Après, si je le devienne d'une autre manière, ça change jamais. Ça me dit rien. Okay. Pour toi, c'est une phrase absurde. Ridicule. Ridicule. Mais si t'as que de l'argent et que t'es tout seul avec ton argent, tu seras pas heureux. Mais pourquoi il est tout seul? Parce que justement, il a choisi que l'argent. C'est sa faute, c'est pas la faute de l'argent là. Après, faut se demander pourquoi la personne est comme ça, parce qu'à la fin de la journée, c'est sa faute si elle est tout seule. C'est sa faute, c'est ta faute si t'es entouré de faux. Moi, je m'en fous, je préfère être seul là. Ben voilà. Mais moi, mon entourage, en tout cas, pas mon cercle, il est vrai. D'amis, je n'ai pas d'amis, y'a tellement de mythomanie. Atteint de pyromanie, c'est pour ça que je mets le feu. Ça dépend par qui, par mes frères, ouais. Pourquoi les gens me diraient je t'aime? Grosse question, ça. Je sais pas, si la femme se rend à me dire je t'aime, sûrement qu'on aura vécu plusieurs choses, puis sûrement que je l'aurais accepté sans je t'aime, mais je suis pas sûr que là on aurait eu un bac. Il y a déjà une fille qui te l'a dit? Moi? Non. Un vrai je t'aime, je te parle. Et toi, tu l'as déjà dit? Non, jamais. Quoi, c'est un signe de faiblesse? Non, j'ai juste pas eu l'occasion. J'ai peut-être aussi jamais aimé de femme. C'est possible, ça, non? Pourquoi je dirais je t'aime à quelqu'un que j'aime pas? Non. C'est juste quand je suis arrivé au centre jeunesse, j'en ai lu. J'étais toujours enfermé, t'as rien à faire. J'ai pas besoin de lire des livres, il y a des films. J'ai essayé allé pour voir, écouter un livre audio. Mais il faut payer. Je me suis rendu au bout là. J'ai vu une publicité sur YouTube, je suis allé, j'ai téléchargé l'application, j'ai créé un compte. Bah, il faut payer. Tu crois que je vais payer pour écouter un livre? J'ai mis 100 000 sur l'avocat, je bite le queso. Lui, il était plus comme. Il était avec les vieux, puis nous on était les petits, tu comprends? On ne traînait pas ensemble, tu comprends? Mais on se connaissait, et puis. Le lien se fait là. Quand il va percer en France, il va falloir beaucoup aussi que les joueurs soient reconnaissants. Parce qu'il va comme. C'est comme si lui, il bute. Il t'ouvre le sentier. Après, ça va être plus facile pour les gens d'ici de percer là-bas. J'ai essayé de les ramener, mais de mon aide, il veut pas. Yo, vu que j'étais dur ramener, mais frère, quand même, cette fois. Là, moi, j'ai une armée, des garçons folles et loin. Yo, si tu veux tester, faudra t'assumer ton choix. Dans la rue, c'est gay, gay. Dans la rue, c'est gay, gay, gay. Arrête de mentir dans vos vies, c'est toi la vérité, c'est comme ça. Dans la pauvreté, j'ai grandi. Jamais respecté de loi. Vous voulez pas entendre mes cris, mais vous allez quand même entendre. Inima. Comme je l'ai dit. Et l'autre, tu veux garder en surprise? Ouais. Kino, comme peut-être. Salimo.
Peut-être. Jack Boy. Il est en train de me nommer le nom de tout mon album. Psych. Mais il y aura aussi, il y aura aussi des featuring surprises. T'aurais dû rester tranquille. En plus, t'es même pas capable de kill. Je décharge des bouts, tu décharges des piles. Si c'est pas des AM, viens pas parler d'investir. Il nous manque ça à Montréal, des producteurs, et pour passer à un next niveau comme ça, la vidéo comme ça. Parce qu'à la fin de la journée, les vidéos à Montréal, c'est toujours les mêmes. Ils sont dans un condo, ils sont allés chez eux prendre tout l'argent qu'ils avaient pour le montrer. Pourquoi tu changes pas ça? Il y a des choses que tu t'en rends compte, comme ça se peut que je vienne m'en rendre compte aussi, tu comprends? Mais t'as besoin des gens professionnels là, qui soient avec toi aussi, là, tu comprends? C'est beau faire des scénarios et tout, mais si t'as pas vraiment... un professionnel du cinéma, par exemple, déjà pour les items qu'il va avoir dans la vidéo, tout ce que tu as besoin, il va falloir que tu le trouves toi-même. Le caméraman, après lui, va te faire un job. L'affaire, c'est whack. Prochaine vidéo, je vais faire quelque chose de spécial. Comme, je sais pas si tu as vu le dernier vidéo de Soja Tizo, ça c'est une grosse vidéo là. Mais nous, on n'a pas de subvention, on n'a rien. Toutes les vidéos que tu vois, elles sortent de nos poches. C'est quoi une subvention? Moi, je sais même pas c'est quoi une subvention. Tu crois qu'un jour, ils vont donner de l'argent? Ils vont le faire quand ils vont plus avoir le choix. Regarde, moi là, ils disent que je promote la violence. Je fais partie des rappeurs qui vont essayer de cacher. Avant, ils vont essayer de me cacher jusqu'à qu'ils ne peuvent plus me cacher. Si je te dis que j'ai sorti des albums, j'ai eu du financement pour une chanson qui s'appelle Les Vrais Gangsters avec Tikazo, puis que j'ai été payé une subvention, que ça tu me crois? You have to change your mindset, bro. Il faut que tu te mettes dans une position que malgré que tu viens de la rue, tu es dans une structure que l'argent il donne. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je te le dis parce que moi j'ai été par là. Tu comprends ce que je veux dire? Pauvreux. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils vont financer. Mais y'a quoi comme les boules à Montréal? Moi je connais pas, là, je suis pas dans ça là. Yo, dis-toi que j'ai même pas Spotify sur mon phone. Genre. Ouais, genre j'ai des musiques sur Spotify mais j'ai pas Spotify. Moi, je veux le crochet bleu. C'est ça que je veux. Comme ça après. Bah c'est aussi les labels qui font ça. Hein? Ils vont aller me le dessiner à côté de mon nom. Mais les balls, c'est quoi les balls? Y'a quoi comme les balls à Montréal? Y'a Jorai, y'a Blockchain. Mais il faut que je signe avec eux. Ouais, mais les deals ici sont pas bons là. Regarde, moi ça m'intéresse pas d'être dans une playlist avec des rappeurs anglophones. Moi j'ai entendu un truc comme si toutes les musiques que j'ai fait ils vont me payer pour. Ben oui. Mais l'affaire c'est que je m'en bats les couilles, c'est juste ça. Ouais, juste parce que je m'en bats les couilles. Ouais, mais tu veux pas devenir riche? Oui, exactement. Mais là, tu dis, moi je croyais qu'il allait me donner genre 100$ par cent. C'est pour ça que je m'en bats les couilles. Je vais pas devenir riche avec 100$. Je fais plus avec mes musiques. Mais là, tu me parles de montants comme ça. La cavale, ça coûte cher, frère. Ben oui. Mettons si, dans le cadre des masters, si vous possédez 100% de vos masters, on part de plusieurs milliers de dollars, peut-être autour de 3 à 5 000 dollars, en fonction effectivement de la performance de la chanson, évidemment. Ah ouais, hein? Y a pas d'autres personnes là qui donnent l'argent comme ça, là?